du matin, c'est parti. Il est un peu tard. Bon, le soleil s'est levé il y a 10 minutes seulement. Enfin, le jour se lève il y a 10 minutes. Sans le soleil, il n'est pas encore là. Ils en annoncent un peu aujourd'hui. On a eu beaucoup de pluie, de vent en ce moment. Il y aura encore un peu de vent aujourd'hui. On part sur un plan d'eau où j'ai pêché en flotte tube il y a quelques jours, 5-6 jours je crois. J'avais tenté de faire une petite vidéo en flotte tube, malheureusement j'ai réussi à trouver le poisson dans une grosse bande de nénuphars, mais ils étaient vraiment en masse. Et j'ai eu une tape, malheureusement, c'était pas une carpe, c'était un petit silure. Et il m'a tué le coup. Tous les poissons se sont sauvés, sont partis se planquer à droite à gauche, tous dans les bordures, tout ça et tout. J'ai voulu y retourner. Enfin, y aller en flotte tube, mais c'était vraiment trop risqué de pêcher dans ces obstacles. Donc j'ai abandonné et j'en ai profité du coup pour faire un repérage. Je me suis baladé sur le plan d'eau tranquillement. J'ai fouillé un peu partout. C'est vrai que ça fait du bien des fois de regarder un peu. On voit toujours le plan d'eau du bord, mais sur l'eau c'est un peu différent. Ça permet de voir plein de choses aussi, des nouveaux arbres qui sont tombés. Des herbiers qui n'étaient pas, qui sont déplacés. Enfin, j'ai vu pas mal de choses super intéressantes qui vont me permettre de faire des nouveaux spots. Du coup, j'y suis retourné. Et là, catastrophe. Hein. Nul. J'ai été nul. J'ai pas sorti un seul poisson. Parce que du bord, c'est pas pareil que dans l'eau. Donc, sur les spots, à chaque fois j'arrivais, je me faisais cramer. Bon, là maintenant, on y retourne encore une fois parce qu'il faut que je me venge de ce capot. Et donc l'objectif de poisson, là, sérieux, il faut que j'en fasse deux. J'ai vu des poissons magnifiques, j'ai vu des poissons exceptionnels aussi, des poissons que j'avais déjà vu il y a quelques années. Enfin, un poisson que j'avais déjà vu il y a quelques années. Vraiment très très joli, très rare. Il faudra vraiment que je la pique celle-là, elle était toujours au même endroit, donc c'est un bon signe. Bref, du coup là, deux pêches de préparation, on va dire. Celle-ci, c'est la bonne. Il y a intérêt. Je vous envoie la vidéo du silure sur le flotte tube. Du petit silure, hein, ouais, bah, c'est un petit truc. En fait, il était joli, il était très blanc, très clair. C'était vraiment joli. Et puis, on se retrouve sur le spot tout de suite. Là. Allez, c'est parti, go. Thank you.
à l'équipe, la petite bevette. Super couleur blanchâtre. Alors, c'est pas l'objectif, mais un petit combat quand même, c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, on va le remettre à l'eau, espérant qu'il grandisse 18. Bon, voilà l'équipe. Nous voulons arriver sur le premier spot. Hier, j'ai vu du poisson sur l'extrême bordure, vraiment dans mes pieds. Je suis arrivé, j'ai voulu poser une boule de pâte. Il est en train de repartir, donc il m'a pas vu, il était de dos. J'ai posé ma boule, il y avait un poisson qui était un peu plus à gauche, il m'a vu lui. Il est parti un peu speed, il a passé le message, hein, je vous le dis, il communique entre elles. Il y en a une qui est venue voir, elle est venue jusque là en dessous, je bougeais pas. Mais elle m'a très bien vu. Elle est repartie un peu plus vite qu'elle est venue, et j'ai plus vu personne. Elles envoient des éclaireuses à chaque fois, je vous jure, c'est vraiment... C'est curieux une carpe, c'est une curieuse, vraiment. Et elles communiquent ensemble, je vous le dis. Il n'y a pas que sur ce plan d'eau, c'est dans beaucoup de plans d'eau, ça me le fait. Après, je dis pas, il y a des moments où elles sont totalement en frénésie, des fois on tombe sur une, excusez-moi du terme, un peu conne. Mais les poissons sauvages méfiants, on leur fait pas. À moins qu'elles soient trop sauvages et qu'elles connaissent pas du tout. Mais les poissons sauvages qui ont déjà été pêchés ou qui sont sollicités. Ah, il y a eu une petite tape. Enfin bref, du coup bah terminé, j'ai plus vu personne, rideau. Et du coup après j'ai bougé. J'ai amorcé assez fort. De toute façon en général quand elles gagnent comme ça, c'est ce que je fais, hein, je les récompense. Bon, ça a deux sens. Hein. C'est pas simplement pour les récompenser. C'est pour les remettre en confiance. Et ça tombe bien, je comptais pas revenir aujourd'hui, vu que c'était hier le gros capot que j'ai mangé. C'est parfait, là tous les spots ont été amorcés allègrement. C'est top. Il n'y a plus qu'à passer derrière. Ils ont encore le goût dans la bouche. Donc là, toujours avec la gamme Prestige. Elle est validée, ça y est. J'ai fait des pêches de malade cette année avec... un aimant à grosse carpe, en tout cas. Ou c'est un hasard. Mais pour l'instant... partout où je vais, je tape des beaux poissons, quoi. Et comment dire... là, oui, donc, amorçage avec des pelets de 16, 20 et 12. Là, j'en ai refait parce que j'en avais plus, donc je suis repassé en 16, 12. Parce que le 20, ça y est, on va commencer à rentrer en période hivernale, ça sert à rien de mettre des gros, gros trucs. Même si ça se diffuse assez rapidement, ça se diffuse un peu moins quand même quand les eaux refroidissent, la loi du pire froidir. Et faudrait pas non plus les gaver. Donc on descend les tailles des pelets tout doucement. Les en dépelets tout frais, tout bon. Parce que j'étais encore avec mes pelets du mois d'août du road trip quoi. J'en ai tellement peu utilisé finalement. J'en avais un stock énorme. Ça vient de bouger là-bas. Ah non, c'est les foulques. Bref, 3 minutes que je blablate. On croise les doigts et on se reprend dès que ça bouge. Allez, go. Voilà l'équipe, ça fait 14 minutes 42 exactement. Je vais bouger, hein. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour savoir qu'elles sont pas encore là. Après, les conditions météo sont totalement différentes de celles d'hier. Il y a beaucoup moins de vent. Et le soleil pointe déjà le bout de son nez. Hier, c'est resté couvert jusque 13h. C'était totalement différent. Donc on va pas trop se fier à ce que j'ai vu hier, à tel endroit, tout ça et tout. Plutôt aller sur les spots où je pense qu'ils peuvent être. Et j'ai des nouveaux spots, donc ça peut être intéressant d'aller y voir. Donc on va bouger tout de suite. Je vous avertis, on va bouger beaucoup. Hier j'ai fait... Bon, je sais plus. Je crois que j'ai fait 8 bornes.
fait 8 km à aller chercher là, sur les 20 hectares. Bon, j'ai fait plusieurs fois le tour, on va dire. Mais en tout, ouais, 8 bornes. Donc c'est pas fini. Premier spot. Next. Voilà les gars. Le troisième spot. Parce que le deuxième, je vais vous expliquer après. Je l'ai un peu nexté. De la vidéo. Je vais vous faire avoir un petit ralenti. En attendant, attendez, je vais mettre tout de suite une coupelle. Hop. Là, je sais pas si vous avez fait voir. Ma petite mule pour amorcer. Oh, c'est bien quand ça tombe pas. J'ai ça depuis quelques temps. J'ai peut-être fait voir dans certaines vidéos sans en parler. Hop. Allez, un peu de mélange. Plus de prestige. Là-bas, c'est pour les préamorçages, le gros logo, ça. Et voilà, petite canne qui devient grande. Donc, des fois, c'est mieux de la déplier avant. Hop là. Donc, c'est chez Decathlon, ça. Cette petite canne-là. L'encombrement, il est top. Et elle monte jusqu'à 6 mètres. Bon, moi, avec la grosse coupelle que j'ai, j'étais obligé de couper un gros morceau. Je suis plus à 5 mètres. Vous voyez, pour amorcer comme ça, c'est parfait. Je m'en ai manqué un élément. Ouais, c'est pas sorti entièrement, enfin, mais bref. Qui font simple et efficace. Voilà. Bon, donc voilà le troisième spot. Donc, il va falloir être vraiment très discret ici parce que les poissons viennent jusque là devant. Donc il va falloir que je me planque et je ne bouge pas. J'ai vu des très très beaux poissons. Ça va être très très galère de les sortir, effectivement. Je vous le fais pas dire parce que je pêche de l'autre côté de l'arbre. Si je les pêche là, ils me voient trop. Là-bas, au moins, ils peuvent manger tranquillement sans me voir et j'arriverai à aller les épuiser. On ira en équilibre sur l'arbre. De toute façon, je vais combattre sur l'arbre. Et puis, s'il faut que je descende à l'eau, je descends à l'eau. Normalement, ça devrait aller. Normalement, on verra. Comment dire. Mais bon, le problème, c'est qu'elle va partir direct en dessous, c'est certain. Elle va pas partir là-bas, donc il va falloir vite contrer dans ce sens-là, là, la canne dans cet angle. Et on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Donc là, c'est tour de cou, bonnet. Je vais me camoufler le visage totalement. Je vais essayer d'être le plus immobile possible. Bon, là, je viens de faire tout un bordel. Hein. Pour poser le téléphone, tout ça, se mettre tout à filmer. Mettre tout à pêcher, hein, amorcer, tout ça, enfin, bref. Donc là, un petit laps de temps d'attente, et après on va croiser les doigts. En attendant, ouais, du coup, le poste 2, j'ai vu un poisson se balader au bord. J'ai dit, oh, sympa ça. L'eau était trouble. J'ai dit, allez, vas-y, je vais me mettre debout, je vais poser ma ligne, je vais attendre un petit 10 minutes. Je sais pas où j'étais. Je sais pas. J'étais ailleurs. Je sais pas, j'ai pas compris. C'est parti, sans que je le voie. Ma canne s'est tendue dans ma main. Je dis, oh, elle me décrochait. Elle avait la patte en bouche et bah, ça s'est retiré. Je suis deg. J'ai même pas eu le réflexe de ferrer. J'ai ferré après avoir senti la coup. Donc, après que la patte soit sortie de la bouche, enfin, au lameçon. J'ai totalement foiré. Mais je sais pas ce que je regardais, je sais même pas en fait. Là, j'étais ailleurs. Perdu dans mes pensées. Bref, c'est pas grave, on va se rattraper sur ce spot là. J'ai été sur un autre spot aussi au passage, enfin je l'ai pas pêché, j'ai juste été l'amorcé. Et il y avait le poisson d'exception que j'ai envie de faire. C'est pas un poisson d'exception. Ouais, pour moi c'est un poisson banal, il y en a, ils vont kiffer de fou si un jour je sors ça.
si je le sors, moi sans plus. Juste kiffant de cibler un poisson et de le toucher, ce sera juste mon seul kiff. Et puis de voir vraiment à quoi ressemble, parce que je suis pas sûr de ce que c'est. Enfin bref, j'en dis trop pour rien, ça se trouve on la verra jamais. On va se mettre en pêche, on va croiser les doigts et on se reprend dès que ça bouge. J'ai remis une ligne, on est à 25 minutes là, je viens de remettre une ligne il y a 5 minutes parce qu'en fait à peine posé j'ai un poisson qui est venu. Pour moi ça a commencé à fouiller, ça a commencé à rentrer, j'étais content, j'ai vu le bouchon danser et d'un seul coup pff, gros tas de bulles, pelé qui pétille dans tous les sens, mais en fait non. Après, il n'y a eu plus rien du tout. Et pour moi, en fait, c'était tout simplement un poisson qui a voulu prendre et qui a senti le fluorocarbone. Et il a mis un gros coup de rush là-dedans et a tout retourné, s'est barré. Il a pris la fuite. J'espère que ça m'a pas cramé le spot. Donc du coup, j'ai décidé de mettre une ligne en tresse pour gagner un peu en souplesse avec un bouchon un peu plus léger en 0,60 au lieu des 1 gramme. En fait à l'aspiration la tresse va être beaucoup plus souple sur la bouche du poisson. Elles vont beaucoup moins le sentir en fait. Le fluorocarbone il va vachement être raide à plier pour que le poisson aspire en fait. Et quand il va arriver dessus, il va poser sa bouche dessus comme ça là. Tac. Là ça va avoir du mal à se plier et à rentrer en aspiration. Donc le fluorocarbone ça peut gêner pour ça, surtout quand c'est du gros comme ça en 40. Donc là en tresse, le poisson il va à peine arriver là, donc déjà le bouchon plus léger, la ligne elle va plus facilement s'écraser, ça va pas le gêner, il va moins le sentir. Et la patte va plus facilement rentrer dans la bouche. Et automatiquement, je pourrais le ferrer facilement. Si je loupe pas la touche comme tout à l'heure. Mais ouais, là c'est fin de saison, les poissons, on a vu toutes les couleurs, j'y passe, ils sont fait harponner, piquer dans tous les sens, mais ils connaissent la musique, c'est pas des tout jeunes poissons, ils sont méfiants. Mis à part une tanche qui est venue me chatouiller là, j'ai absolument pas revu de carpe. Le spot est toujours là. Il doit manquer quelques peu là vu qu'il y avait une tanche. Mais les carpes elles sont pas revenues, elles m'ont eu. Hein. Je vous dis, dès que elles envoient un signal, c'est cuit. Je vais essayer de ramorcer très large là et revenir dans quelques heures, on verra. Maintenant on va aller sur le spot où il y a le poisson un peu spécial, j'ai envie d'aller voir s'il a mangé, s'il est intéressé, s'il y a moyen de le piquer. Allez go. Bon voilà les gars, le poisson un peu spécial, il n'était pas là. Quand j'ai amorcé le spot, il y était, à mon avis je lui ai fait peur. Par contre là je viens d'arriver sur le spot de ce matin où j'ai le tout premier. Et j'avais amorcé assez fort et là j'ai un beau poisson qui est en train de s'alimenter. Il est en train de tout ramasser, voilà par contre je crois qu'il m'a vu, mais non. Je bouge plus. Il a levé la tête. Il fait marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il navigue en marche arrière. Il y a un peu de vent, il y a tout qui bouge. Non, oh, il a regardé.
descendu, c'est bon. Il m'a pas vu donc. Oh, ça commence. Hop. Hop. Il est de dos, faut faire vite. Il y en a un deuxième qui est arrivé. Ah bah, il y a deux poissons en train de défoncer le spot. Les deux sont plutôt jolis, je trouve. Juste à côté d'elle, c'est pas terrible. Et elle y va. Elle y va, elle prend. Elle prend. Et c'est piqué. Allez là. Oh putain. Oh, j'en étais sûr. C'était de la merde. Ah putain. Je le sentais qu'elle était pas pareille. J'en doutais. Putain. Oh, elle se barre. Ah. Bah, c'est bon ça, mais c'est pas si bon. Ah, je suis dégoûté. Fais chier. Voilà l'équipe. Alors, en plus elle fait la belle. Ça c'est signe que c'est un poisson rarement piqué. Elle est stressée. On voit de toute façon c'est pas un poisson très vieux. Mais qui se porte plutôt bien. En tout cas elle était en train de faire ses réserves. Il était en train de faire ses réserves pour l'hiver. On va aller vite le remettre à l'eau ce joli mal. Il m'a fait plaisir. Malgré qu'il m'a broyé une canne. Il m'a quand même fait plaisir. Allez go. Je vous jure, je suis dégoûté. Blasé. Ça a cassé là en premier. Ensuite, ça a cassé là. Et ça a fini par casser là. Comment vous m'expliquez ça? Bon, l'équipe, voilà, faut qu'on discute. Bon, j'avoue, mais vraiment, j'avoue que j'ai fait un très mauvais angle. Le poisson est totalement revenu sur moi. Ça a vraiment pas été bon. J'étais aussi monté un peu gros au niveau élastique. Même si l'ancienne encaissait totalement, c'est ce qui m'a vraiment déçu. J'ai demandé à avoir contact avec quelqu'un de chez Garbolino, donc j'ai réussi à avoir une personne bien placée, on va dire. Et j'ai eu le verdict. Alors certains revendeurs me disaient que le carbone avait changé, que les emmanchements n'étaient pas les mêmes avec l'ancienne. Vu que j'ai les deux, bah, du coup j'ai essayé la Garbolino Zombie Max et la Garbolino Zombie normale. Bah, il n'y a aucun souci, tout est compatible. Pour eux, ce serait un défaut de fabrication. Moi, je voulais juste avoir des explications. Ils ont pris la décision de me renvoyer un kit
de me le passer en SAV. Donc je les remercie pour ça. C'était vraiment pas mon intention. Ça me fait même chier de réessayer, de retenter, et de recasser un kit et de risquer de perdre un poisson ou de l'abîmer ou quoi que ce soit. Mais on va dire qu'il faut leur laisser une chance. J'ai été très déçu sur le coup, je me suis bien emporté, c'est clair, j'avais la rage. Ça m'a cassé total ma pêche et j'ai risqué de perdre un poisson. J'aurais pu perdre le kit et tout partager, quoi. Enfin, c'est dangereux. Enfin bon, du coup, je vais réessayer un kit. En attendant, j'ai réussi à retrouver les anciens kits qui étaient introuvables. J'ai réussi à en trouver un dans un petit magasin qui avait ça en stock et je le remercie d'ailleurs d'avoir envoyé ça. Donc là, je pêche avec l'ancien kit, j'attends de recevoir le nouveau, le kit de la Max, du coup, pour refaire une tentative. On verra bien ce que ça donnera. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de changer de canne. On va retenter une dernière fois. Et on verra après. De toute façon, vous saurez tout. Hein. Je ne vous cache rien, vous serez tenu au courant. L'ancienne, je pouvais lui faire n'importe quoi. À part marcher dessus, oui, c'est vrai, j'ai fait le con. Mais sérieux, en miettes le truc. Franchement, j'ai mal. Ma pêche, elle est foutue en plus. Il y avait grave moyen de refaire du poisson. Sérieux, c'est abusé. Je suis blasé. Je vais rentrer. Je vais voir peut-être mettre, parce que c'est Zombie Max Carp, je crois que tous les trucs sont adaptables. Peut-être prendre la Zombie Max Silurus. Fais chier, bref. Je vais rentrer. Merci pour tout, comme d'hab. Merci, 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 merci tout le monde. Et je vous remercierai encore sur les coms. Bon, y a plein de choses à voir encore, à refaire. Il va falloir que je revienne ici avant que l'hiver tombe, parce qu'ici l'hiver ils sont très difficiles. Après j'ai un autre plan d'eau où je vais me mettre en pêche à fond cet hiver. Donc d'abord on va saigner celui-là. J'ai vu des poissons, j'ai vu des spots super intéressants, faut pas que je lâche l'affaire. Allez go, on se rentre. Ciao ciao tout le monde.